des expériences de chimie. Tu es prête, Anne? Oui. On va préparer l'eau enchantée. Alors, avec ça, tu prends l'eau, tu mets dans ton du petit bol et tu mets 300. 300, c'est jusque là, non, avec le gobelet mousson. Tu prends de l'eau. Jusqu'à 300. C'est où 300? Non, regarde où c'est 300. 200, 300. Voilà, jusqu'à ici. Et là, il a V max. Enfin, max. Oui. Vas-y. Tu peux peut-être même verser directement le bol dedans. Je ne sais pas si on aura assez. Non, je préfère faire comme ça. D'accord, c'est plus rigolo. Bah alors, vas-y. C'est rigolo. Attends. Non, comme ça, c'est... D'accord. Vas-y. Fais gaffe, hein. C'est pour que j'ai pas confiance en toi, mais quand même. Ah, même pas. Ah, il fallait rechercher un petit peu d'eau. Vas-y. Je vais essayer dans mon cœur. Non, avec ça, tu auras plus d'eau avec ça. Vas-y. Vas-y, tu peux continuer à verser. Jusqu'à 300. Je te dis stop. Encore un peu. Stop. C'est bon. Parfait. C'est qu'il a pro du... Alors... Est-ce que je peux en manger un? Non, mais c'est bon, ça, on est à 300. Donc l'eau est versée dans le chaudron. Avec la cuillère blanche, donc c'est celle-ci, on rajoute de la poussière de craie. Alors, que je te le trouve, voilà. Tu le mets dans le chaudron. Ça râle pas. Ah, c'est curieux ça. Bah peut-être qu'il faut le verser. On va faire comme ça. Tu peux verser de... Est-ce que je pourrais verser? Oui, bien sûr. Voilà, vas-y. Ça a l'air rigolo, dis donc. Voilà, tu vas remettre le couvercle. Je remets le couvercle du chaudron. Il n'a pas un capuchon, le couvercle, il est trop mignon. D'accord, laisse. Et Ethan, tu vas appuyer pour mélanger. C'est le bouton du milieu. Oui. Eh ben, regarde. Merci. Allez, continue. Tu sais, tu peux lever ta main. Lève ta main. On voit bien qu'il y a un petit trou, hein, quand même. Et en dessous, on voit une tornade qui s'est créée. Alors, est-ce que tu es content d'avoir une tornade? Si vous voyez en dessous, on voit une tornade. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit la tornade, la jaune. Je crois que c'est bon. Ceci est une belle tornade, hein, quand même. Et on peut mettre la lumière pour mieux voir. C'est bon, c'est tout dissous, alors tu peux éteindre. Maintenant, on continue. Dans le gobelet, on va préparer de l'élixir d'algues. On va verser 10 ml de jus d'algue. Parce que c'est ça. 10 ml, c'est jusqu'à ce trait-là, Ethan. Non, Emma, tu touches pas pour moi. Ah oui, 10. D'accord. Pose-le. Oui, c'est toi. C'est bon, moi, je regarde. Et tu me dis stop. Je dirais d'accord quand tu fais du slime. C'est bon, c'est à 10? Oui. On a levé le couvercle. Non, c'est pas encore entièrement à 10, je crois. Encore un chouïa. C'est bon. Ok, on est à 10. Alors, écoute, on ajoute le... Donc là, c'est le jus d'algue. On va ajouter une goutte de concentré de pissenlit. Est-ce que tu veux la mettre? Une goutte. Une goutte. Elle est tombée? Stop. Oui, stop, arrête, stop, arrête, stop. Une goutte. Elle est dedans, ouais, je la vois. Et une goutte de sang de griffon. Oh non. Oh si. À toi. Hop là. Ok. Et maintenant, tu peux mélanger avec la cuillère blanche. C'est qui a tué ce pauvre griffon? Mais c'est faux et moi. Quand même. Est-ce que t'es sûre? Maman. Alors, maintenant, on verse. Vas-y, Emma, ouvre le chaudron magique. Ta-da-da-da. On verse un peu dans ça. Et écoute, maman. Ça, tu vas venir le poser dans le chaudron sans retirer la cuillère. D'accord? Tu plonges la cuillère dedans et tu comptes jusqu'à 10. Oui. Alors, tac. Je verse. On est des scientifiques pros, nous, on ne va rien reverser. Vas-y, doucement. Tu mets la cuillère dedans sans renverser. Tu mets la cuillère dedans.
Tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide? Tu veux que je le fasse comme... Non, non, je vais le faire. Attends. Je fais, tu fais le deuxième? Eh oui, tu fais ça, oui. D'accord. Maman m'a fait 1, 2, 3, oh non, c'est pas drôle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tu peux compter encore jusque 5, je pense que t'as compté 12, très vite. 13, 14, 15, 16. 15, ok. Et maintenant, on peut sortir la cuillère. Et apparemment... Oh, c'était pas encore très pris. On aurait créé une algue gluante qu'on peut toucher et malaxer. Ça fait pas mal, ça. Ouais, ça ressemble à des slimes. 6. Alors, c'est gluant, on confirme. On met sur la pâte, t'as vu ? Oui. Ah, ouais, c'est caca. C'est caca. Oh non, c'est horrible. Ah. Oh non, on dirait du pipi. J'enlève ah, ouais, mon idée et je me mets un scientifique de recherche. Oh. Caca boudin. Je peux toucher aussi, ouais, monsieur? Ouais, touche. Relax. Regarde le pipi. Tu veux essayer de faire celui-là? Oui. On retente. Vas-y, doucement, sans renverser. Et je vais compter. Ouais. Un, je compte. Deux, trois, quatre, cinq. 6, 7, 8, 9, 10, 11, t'as retiré? On laisse le spot, c'est 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Alors, retire-le. Qu'est-ce que ça donne? Oh! Du caca boudin! Bon, on n'est pas là de le malaxer, nous. Ah, c'est con, hein? Ouais. Ça donne du caca boudin! Non, ben, c'est un peu bête ce que tu dis, Emma. Ça donne des petites algues. C'est maman qui a dit du caca boudin. Bon, t'as bien fait de mettre des lunettes, hein. Je peux toucher aussi, monsieur le scientifique, oui, là? Oh. Ah, t'arrives même à le saisir comme ça? C'est un cerveau. Bah, normalement, ça doit s'être saisi comme ça. Ouais. Ah, oui, oui, oui. C'est un cerveau. Bah, ça demande peut-être un petit peu de temps de malaxation. Mmh. Essaye de malaxer pour voir. Avec toute ma main? Travaille-le un petit peu pour voir. Tu veux faire? Moi, je vais faire. Moi, je suis scientifique dégueulasse. Mmh. Parce que les crocs, c'est un petit peu horrible. Ouais, très horrible. Que ça met... Il a fait une collection d'escargots. Ah ouais. Collection de fourmis. D'ailleurs, on peut remercier Parrain pour les fourmis. La chimie et les fourmis. Cette fois-ci, c'est pas quelque chose de vivant. Merci Parrain. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais... Le cerveau. Ouais, les amis, regardez. Et voilà. Bah, mets-le doucement. On dirait ah ouais, du regarde, cerveau. Ça durcit. Doucement. Ça durcit. Et j'enlève l'eau. C'est du cassoulet. Laisse-les regarder. Montre-leur bien. Voilà. Bouge pas. Ah. Vous n'aimerez pas être ce petit truc. Allez, on vous dit à tout à l'heure pour la prochaine expérience. Bye bye. Tout à l'heure. Tout à l'heure. On peut le mettre ça dedans ? Oui.